この一つのボールで世界を変えよう。皆さん寄付してください。お願いします。Ein Ball kann das Welt ändern. Du kannst auch. Bitte spenden. Una parada può cambiare il mondo. Balla anche tu. A ball can change the world. So can you. Make a donation today. Et voilà le match entre le Kenya et la Hollande pour cette Homeless World Cup Paris 2011. Et le Kenya qui commence par un but. La Hollande un peu choquée là de ce premier but après dans la première minute. Et la Hollande qui revient tout de suite, bien défendue par la Kenyane là. Nous avons un groupe de supporters kényans sur notre gauche là. Ouh, quel arrêt de la gardienne kényan là. C'était un bon tir croisé. Le Kenya qui garde la balle et qui fait tourner. L'arbitre qui donne corner et la gardienne qui aurait touché le ballon. Le corner qui est mis en jeu par les Kenyans, qui doit être rentré avec la main. Donc c'est pas les coups de pied arrêtés pour les corners. Et oui, oh quel arrêt de la gardienne avec son pied. Le Kenya qui met la pression là. Et là, oh oui. Juste à l'intérieur du poteau gauche là, de la capitaine hollandaise. Un grand gabarit. Donc on est au score de 1 partout. Je sens que ça va être un match très serré là. Tentative kényane bien arrêtée par la gardienne hollandaise. Oh. Il y a le numéro 6 là qui s'est un peu endormi, qui a raté son contrôle. Tir du Kenya bien arrêté là. Ah, Kenya qui a une opportunité là mais qui ne peut pas rentrer dans la zone. Non, non, non. Par-dessous, mademoiselle. Et l'interception Kenya. Et oui, but. Très très bonne interception de la numéro 5 du Kenya là qui a... Ah, mauvaise relance de gardien, le numéro 5. Pénalty pour le Kenya. Les joueuses hollandaises qui auraient pénétré la zone du gardien. Allez, un contre un là, Kenya. Et but. But du Kenya qui mène 3-1. Mauvaise relance de nouveau de la hollandaise. Cette fois-ci, les défenseurs étaient là. Le Kenya qui peut faire circuler là sur la droite avec la numéro 5 qui a tout le temps, qui refait partir au centre avec un tir direct juste sur le poteau gauche de la gardienne.
On fait la même chose là. Bien arrêté par la gardienne qui est au sol. Et le ballon, heureusement, ne sort pas de la zone. Passe à sa gardienne. Là, le Kenya tout de suite relancé vers l'avant. Qui va faire circuler un peu son ballon. Qui va avec la pointe. Qui a vu une opportunité là. Et de nouveau un pénalty. Ah non, non, c'était un pénalty. Et l'arbitre qui fait signe à la joueuse hollandaise que son lacet est défait. Il me semble que c'est pour avoir rentré dans la zone et c'est parti, le pénalty, le numéro 3, le numéro 3, le numéro 3 qui va, qui fixe le gardien, qui tire le poteau, le poteau. La gardienne hollandaise sauvée par son poteau. Et voilà l'arbitre qui refait le lacet de la gardienne hollandaise. Un arbitre assez obsédé par les lacets. C'est déjà la deuxième fois. Mesdemoiselles, faites bien vos lacets. La Hollande qui part à l'attaque. Distribué par le gardien. Bon contrôle. Oh là là, quel but! Quel but de la numéro 5 avec un bon contrôle. Un bon contrôle qui s'est refait une passe à elle-même là et qui a fait une volée. 4 à 1 pour le Kenya. Avec un coup franc en faveur de la Hollande. La Hollande qui doit marquer, qui joue sur la droite là, mais tout de suite intercepté par le Kenya. Passe direct à l'arrière, retour en arrière. Tout juste la numéro 16 qui touche la barre. La gardienne hollandaise qui a l'air un petit peu frustrée là, qui fait des relances non autorisées, non légales là, selon l'arbitre. Les hollandaises qui essaient de créer quelque chose, mais un peu désespérées là. Il reste encore beaucoup de temps, il ne faut pas qu'elle s'affole, qu'il laisse trop de temps pour la numéro 16 là qui récupère le ballon. Bien intercepté par la numéro 5 hollandaise, mais non, c'est toujours le Kenya. Le Kenya qui a une chance de frapper. Oh, qui passe dans les jambes de la gardienne hollandaise, entre les jambes là. C'est dommage. La Hollande qui repart à l'attaque avec